Nicolas. Je pour lui. Ça non, j'y crois pas. T'y crois pas? Pas au pourquoi. Tu crois pas au pourquoi? Tu sais ce qu'elle gagne, ces filles, des clopinettes. J'écoute pas si elle gagne pas assez de pognon qu'elle se bat. Attends que je piche ce que tu dis. Tu dis que tu donnes jamais pour lui. J'en ai rien à branler que la société dise que ça se fait. D'accord pour donner un pourboire si on fait quelque chose qu'il mérite, si on m'offre un service en plus. Je paierai un extra, puis pour lui, ce qu'on paye automatiquement, ça c'est bidon. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être ça, ils font juste leur job. Mais elle est gentille, celle-là. Ah ouais, elle est très bien, mais elle a rien fait de spécial. Mais c'est quoi le spécial? C'est quand la fille te fait une turlue. Écoute, j'ai commandé du café, d'accord? Et ben on est là depuis 2 heures, mais elle m'en a servi que 3 fois. Et le matin, le café, j'en veux 6 tasses. Mais là, elles n'ont aucun pourboire. Pourquoi? Elles font le même boulot. Mais la société a dit, donne un courrier chez celle-ci, mais pas à celle-là, c'est de la piste de charme. Serveuse de resto, c'est le boulot principal des nanas qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études. Ça doit être le seul boulot ouvert à n'importe quelle fille pour pas crever de mort. Et elle ne pourrait pas s'en sortir sans courrier. On t'en peut. C'est dégueulasse, mais c'est pas ma faute. Apparemment, elles entrent dans un de ces nombreux groupes que l'État pèse sans aucun scrupule. Eh ben, si on lance une pétition pour protester contre les méthodes de l'État, je la signe. S'il faut qu'on vote, je voterai pour, mais qu'on me force pas la main. Et sur cette histoire qu'elles n'ont pas fait d'études, moi j'ai une seule chose à dire. C'est pétasse qu'elles apprennent à taper à la machine, mais qu'on compte pas sur moi pour payer leur putain de loyer. T'as eu raison, ce type. Rends-moi mon dollar, merde. Mais... touche pas à ce fric. Assez bavardé, il est temps de s'y mettre. Mais là, une minute. Qui a pas craché? Monsieur Pink. Monsieur Pink? Pourquoi? Il donne rien. Il donne pas de pourliche? Comment ça, tu donnes pas? Il trouve ça choquant. La ferme. Comment ça, tu trouves ça choquant? Allez, allonge un dollar, sale petit rapia de merde. Je t'ai payé ton petit déjeuner.
D'accord, t'as payé le petit-déj, je marche. Mais normalement, je refuserai. Ben, ton normalement, il n'intéresse personne. Tu craches ton dollar et puis t'arrêtes de me les rider. Merci.